Bonjour tout le monde, c'est Madbo pour une vidéo online. Et oui, c'est le tournoi que j'organisais tout simplement. On va tout de suite se rendre dessus parce que je suis prêt à dire qu'il y a des gens qui m'attendent. Donc je vais tout de suite me rentrer dans Madbo en voiture. C'était le tournoi que j'ai organisé, donc on va tout de suite faire participer. On va participer au tournoi. Et en espérant qu'il y ait des gens qui sont venus, je pense que oui. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dessus, en espérant qu'il y ait plus de gens qui qu'est-ce que je pense. Je sais pas qui je vais prendre pour ce tournoi. Je vais sûrement y aller avec Lakitu. Personnage que j'aime bien en ce moment, que... Ou non, je vais faire plus rigolo. Je vais prendre Luigi parce que il y a la petite blague avec tout le monde qui prennent Luigi et qui font le Devil Dare ou le Devil Stare. Voilà. Que Luigi fait son regard meurtrier de la mort qui tue. Voilà. Ok, je vais essayer de trouver quelque chose qui est pas trop mal, qui ferait bien mon bonheur. Ça, c'est pas trop mal, je crois. Je vais y aller comme ça, je vais pas trop me casser la tête. Et on va prendre l'électrodrome. Donc pour le moment on est simplement que deux, en espérant qu'il y ait plus de gens qui me rejoignent. En espérant, parce que si ça soit juste des courses à deux, ça va être un peu triste. Juste aller l'écrire sur Twitter. Ok, c'est parti pour la première course en 1v1 contre Hubert. Donc ici Hubert, si tu regardes la vidéo, bah bonjour Hubert hein, en passant. Ok, je vais essayer de me concentrer, je vais essayer de mettre la pression, de montrer comment j'ai trop de talent à Mario Kart. Ah oui, j'en ai... Ok, ça commence déjà mal. Putain, voir qu'il m'a eu comme ça, c'est... Ah ok, essaye de se reprendre en main. De toute façon, je suis prêt à dire qu'il va prendre tout son temps pour pas aller trop vite dans la course. Peut-être bien, hein. Ou peut-être qu'il va se forcer, hein, qui sait. Hein. Sait-on jamais. Ok. Je vais essayer de le rattraper ici. Merde, j'ai pas réussi. Ah oui, j'ai réussi à le toucher, bizarrement. Ok. Je vais essayer de prendre les pièces pour reprendre à mon avantage. Ok, donc là j'ai une petite avance. J'ai tombé à côté quoi, c'est un peu bizarre. Bon, il a repris l'avantage sur la course. J'ai toujours pas eu le temps d'écrire le tweet. Je vais le faire dans pas trop longtemps. Là j'ai réussi à prendre aucun item. Je suis pas vraiment habitué avec, avec ce bolide de Luigi. Et j'ai appris un petit truc vraiment tout simple. C'est un petit, je dirais pas un bug, je dirais plus un petit cheat que les gens ont trouvé, que je trouve assez triste qui a été trouvé. Et je sais pas si Nintendo vont l'arranger, mais c'est tout simplement que quand on a un boost de vitesse, c'est, je vais essayer de le montrer, c'est un peu chaud à faire, mais là j'avoue qu'avec la plombe piranha c'est un petit peu plus difficile de vous montrer. Attendez, je vais essayer de la faire maintenant. C'est tout simplement que quand on prend le boost, on fait des petits sauts sur les côtés pour accélérer beaucoup plus rapidement. Ça paraît pas tant que ça, et regardez, je vais essayer de le faire. Vous voyez qu'on va un petit peu plus rapidement juste en faisant ça. Et je sais vraiment pas pourquoi ils ont rajouté un truc comme ça. Ça nous donne vraiment un sentiment de vitesse plus rapidement. Ça paraît pas trop, mais vraiment sur les... Vous regardez dans les... je dirais pas sur les championnats ou les courses ou tout ça, mais... ça change vraiment côté... côté gameplay, vraiment les gens abusent de ce truc. C'est un peu triste parce que ça donne vraiment un avantage. Je vais pas vraiment l'utiliser parce que vous pouvez voir que ça donne quand même un avantage. Je sais vraiment pas comment que ça donne l'avantage, mais je sais que ça le donne. Et c'est un peu bizarre que ça donne vraiment un vrai boost de vitesse que vous pouvez vous montrer dans une course. Je vais peut-être le faire. Vous allez voir comment que ça change le boost de vitesse. Donc je vais juste continuer à écrire le tweet. On est toujours deux. Je sais pas si vraiment on va être plusieurs. J'espère vraiment, parce que j'ai quand même sorti le truc et il y avait des gens qui étaient intéressés de venir. J'espère bien, j'espère bien. Et je vais vraiment essayer dans cette course de faire le petit bug, comme je vous dis, de sauter de droite à gauche. Je vais vraiment essayer de le faire tout le long de la course pour voir si vraiment c'est un avantage de fou. Ou si c'est vraiment juste pour dire. Je crois qu'il faut vraiment faire de droite à gauche, obligatoirement. Et j'ai complètement perdu ma vitesse. Faudrait vraiment que j'essaie de voir si ça change extrêmement grand chose. Je suis prêt à dire vraiment que oui, mais y a rien de confirmé. Sait-on jamais. Bon, en plus, j'avoue que dans cette course, c'est un peu chaud à faire. Parce qu'on n'a pas vraiment de grands moments pour rester vraiment en ligne droite. Et je pense que c'est vraiment quand on fait le grand boost, bah, le grand boost orange, si on veut. C'est vraiment plus efficace. Là, je vais essayer de lancer ma banane pour essayer de peut-être l'intercepter. Je viens juste de l'avoir au-dessus de ma tête.
et des pièces, ça c'est pas là vraiment la meilleure chose à avoir. Je vois que c'est quand même chaud à placer ce petit combo, je pourrais dire, de cette façon. Ok. Ouais, c'est pas vraiment facile à placer. Au moins, j'ai quand même une chaude lutte hein, avec Monsieur Hubert. C'est pas vraiment des instants les plus faciles. Là, je sais même pas si j'ai réussi à l'avoir, je crois que non. Ah là, il vient de se frapper, malheureusement. Ah non, il a réussi. C'était tout simplement un bug du online. De toute façon, il n'y en a pas vraiment des bugs sur l'online. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment, vraiment très fluide. Il n'y a pas vraiment de dépassement magique, je pourrais dire de cette façon. Ce que je veux dire par là, c'est que tout d'un coup, l'ennemi nous... Ah merde, le boomerang, quoi. Oh, l'esquive du boomerang. Là, j'ai vraiment été chanceux. Ah, le boomerang. Oh, encore une fois. Ah, je vais pas me faire toucher. Voilà, le boomerang, là, il est parti. Ah, là, j'ai bien joué quand même là-dessus. Ok, mais là, ça m'énerve, là, les pièces. J'aime bien avoir quelque chose d'autre, parce que là, j'ai peur de son item. Oh, la carapace verte. La carapace verte qui est juste passée à côté de moi. Non, non, non. Dites-moi pas que je vais perdre. Non. Putain, non. J'avais tellement bien joué. Ah, mais non. J'avais tellement bien joué. Là, je suis deg, sérieux. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'avais tellement bien joué pour esquiver les boomerangs et tout ça. Non, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints? Ah, une autre personne. Non, une autre personne. À date, c'est pas trop mal quand même. On est trois, ça s'avance tranquillement. J'avoue que l'heure, c'est peut-être pas la meilleure que j'ai choisie. Mais bon, j'y vais comme ça. J'y vais selon mes disponibilités côté temps. Et c'était pas mal le seul moment que j'avais le temps de le faire. Parce que j'avais vraiment pas d'autre moment. C'est assez triste comme ça, parce que je travaille, j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Et c'était le seul moment que je pouvais tourner, c'est comme ça que ça se passe dans le rap game. Comment ça que Yu-Yu a 8 points? Je sais pas. Et je pensais pas voir d'autres gens du Canada, tout simplement, parce que on est midi. Bah, il est midi, donc je penserais pas trop qu'il y ait d'autres gens qui viennent sur le tournoi, quoi. Voilà, voilà. Ceci étant dit, ah, il y a un autre Luigi, quoi. On va être deux Luigi. Ouais, c'est pas grave, c'est rigolo. De toute façon, ce tournoi, comme j'ai dit, c'est bien fait pour s'amuser. C'est pas pour... Merde, j'ai même pas réussi à le taper, lui. Ah, ok, il est passé à côté de moi. Donc, comme je vous dis, de toute façon, ce tournoi est fait pour le plaisir de s'amuser. Parce que c'est bien entendu le but, c'est le plaisir de s'amuser. Oui, il y a de la compétition qui rentre en compte, mais vraiment, moi, je suis là pour m'amuser. Et c'est ça l'important. Que ça sert à rien de vouloir tuer la tête de l'autre. Bah, tuer l'autre, pas tuer la tête de l'autre parce que ça se dit pas vraiment. Mais de vouloir tout casser parce qu'on n'est pas heureux de qu'est-ce qui se passe. Bah, je trouve ça triste un peu. Je trouve ça débile. L'important des jeux vidéo, c'est de s'amuser. Et juste essayer de trouver le bon moment de lancer ma carapace rouge. Là, j'ai réussi à le toucher. C'est parfait. Là, j'ai rien pour me bloquer. Ah merde. Je sais pas s'il l'avait gardé depuis un bon bout de temps, ou s'il venait juste de l'avoir, ça je pourrais pas dire. Là il s'est fait frapper par la plante piranha, ça fait deux fois qu'il se fait toucher par la plante piranha, yo. Ok, j'espère avoir peut-être un bon item, non, c'est si grave. J'ai pas regardé, ok, il y a une banane, faut que je fasse un peu attention, où je vais mettre les pieds. Là, je vais pas prendre le delta plan, je vais rester en basse position. Ok. Merde, là j'ai pas réussi le boost de vitesse. Là je vais prendre le boomerang en pleine gueule. Là je vais essayer de prendre ce petit shortcut. Et je le rate tout le temps. Hyper chaud à prendre. Et là je me fais rattraper. Oh, le mec a lancé le boomerang de derrière, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vouloir juste me tuer. Je sais pas pourquoi. Ok, là j'ai complètement manqué mes notes ici. Bon, on prend le petit champignon. Et j'ai oublié de faire le petit truc pour voir si ça donnait vraiment un boost de vitesse très grand. Et là, je suis triste parce que j'ai manqué l'item. Ouais, vraiment, là, j'ai vraiment pas de chance. Bon, attendez, c'est pas fini. On sait jamais ce qui peut se passer dans Mario Kart. Allez, c'est toujours pas fini. Faut que je prenne l'item, je suis obligé. Puis j'ai pris un champignon et je me suis pris le truc en pleine gueule.
ça n'a pas trop aidé. Troisième position, un peu nul, un peu nul. Ah là, j'ai pas géré celle-là. Non, j'ai pas vraiment géré. En même temps, j'essaie des cartes. Je vais mettre ça sur l'excuse de si j'essaie des cartes. Voilà. C'est comme ça que je vais dire. Donc, ok, on est rendu. Waouh, on est rendu quand même beaucoup là. On est rendu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pas mal là. Là, ça commence à être sympa. Je veux dire, salut à tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Matt Bob pour une vidéo. Ah là 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 là. Donc, Alec Zakaria. J'espère que j'ai pas trop écorché ton truc. Ah, le mec a le track. Johan a le track. Attention. Là, là, il faut vraiment que je monte pantalon parce que là, on est 6 personnes. Au début, c'était juste l'échauffement, vous voyez. C'est le truc comme ça. Bon, échauffement, voilà. Bon, on va se forcer un peu. Bon, pff. Ah non, il y a un mec du Québec. Ah, mais ça, c'est cool. Québec représente. Allez, Alec. On va montrer c'est qui le Québec. Comme dirait Yerusa, il est où le Québec? Bon, on va le montrer. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent Koopa en ce moment, ce que je remarque. Et il y a Luigi aussi. Il y a 3 Luigi, quoi. Tout le monde a pris Luigi parce qu'ils se sont dit, mais putain, le mime en ce moment, ben le même. Peu importe comment vous le dites. Ah, le super klaxon qui était le dernier, quoi. Mais je peux, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser tranquille 2 secondes. Bon, ok, c'est bon, je vais m'amuser tout seul. Hein. C'est bon, je vais aller retourner contre les ordinateurs. Eux autres, ils étaient gentils avec moi. C'est bon, j'ai compris. Je vais vous laisser tranquille. Ok. Bon, regardez, c'est pas fini, hein, on peut remonter assez facilement. Surtout que là, je vais essayer le truc. Ouais, j'ai vraiment une impression que ça va beaucoup plus rapidement. C'est peut-être juste aussi une impression, mais je crois que ça va beaucoup plus rapidement. Comme je vous dis, j'espère vraiment qu'ils vont corriger ce truc. Parce que en plus, c'est pas vraiment comme des jeux hors online. Ce que je veux dire par là, c'est que vu qu'on a l'accès au online, et que là, oui, c'était peut-être moins axé, mais là, tout le monde peut avoir l'online facilement. Bah, j'espère juste vraiment qu'ils vont arranger ce genre de truc. Parce que sinon ça enlève... ça... Ah merde. Des fois c'est même chaud un peu à contrôler. Mais ça enlève vraiment un certain fun, je dirais, quand les gens commencent à trouver des glitches, on pourrait dire. Parce que c'est vraiment pour abuser un petit peu du jeu. Et c'est triste, hein, parce que ça enlève le fun du jeu. D'utiliser le jeu normalement. Mais en même temps c'est cool parce que les gens ont trouvé quelque chose de cool. Ouais, ça je pourrais dire, ok, j'approuve, mais... Bon, j'approuve sans plus. Hein. Ok, là, je suis vraiment en train de monter ma supériorité en ce moment. Je suis trop fier de moi. Matt Bob représente le Québec. T'as vu, t'entends. Donc, c'est ça, comme je vous dis. J'espère vraiment qu'il. Ah, ouais, j'ai réussi. Ah non, non. Mais non, pourquoi j'ai fait ça? Ah, j'aime pas quand je suis en train de me placer pour avoir un item. Et là, j'espère l'avoir hyper rapidement. Donc, je spamme le bouton pour avoir l'item. Ça me sert strictement à rien puisque je perds l'item plus souvent contre moi. C'est pas bien ça. Ok, il lance la banane. Je sais pas où il l'a lancé. J'ai totalement pas vu. Ok, lui a pris le petit boost de vitesse en me suivant. Et là, j'espère avoir de l'avantage peut-être côté item. Des pièces. Ouais. Et ben là, ça va jouer sur le skill. Ah, j'ai pas réussi à faire le gros boost. Par 2e place. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc comme je vous dis, j'espère vraiment qu'ils vont corriger ce problème. Et là, c'est assez rigolo. On est 3 Luigi, 2 Koopa et 1 Metal Mario. Mais là, je suis en 4e position. Je vais remonter ça, ne vous inquiétez pas. C'est la stratégie cachée. Vous le savez pas, tu fais semblant que t'as de la difficulté. Et après, à la fin, tu remontes la pente. Donc recherche de joueurs, parce que là, à chaque 4 courses, on fait une rotation dans les groupes, mais là, je suis prêt à dire qu'on va peut-être pas assez. Donc on va peut-être encore les mêmes joueurs qui vont rentrer dans le groupe. Donc Canyon Gourmand m'intéresse vraiment. Et là, je suis tout seul. Je sais pas si les gens, il faut qu'ils rejoignent, encore une fois. Je suis prêt à dire que non. Mais, ok. Le mec qui est tout seul, abandonné. Si c'est le cas, ben, je sais que pour les prochains tournois, je vais pas faire cette règle. Parce que sinon, c'est que les gens, il faut tout le temps qu'ils rejoignent. C'est chiant pour eux. Ouais. Bon, je vais attendre un peu. Ok. Donc, j'ai changé un petit peu. J'ai changé de personnage. Je suis retourné sur l'online. Et là, on est rendu que 2. Bizarrement. Hein. Sérieusement, très bizarrement. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi ça a comme quitté tout d'un coup. Je sais pas si les gens ont des problèmes ou si... Pourquoi le circuit Mario encore une fois? J'ai tellement pas envie de faire ce circuit. Bon, c'est pas grave. Allez, allez, allez. Et j'ai complètement... foiré tout ce que je voulais faire, là. Ça a pas trop fonctionné. Le super klaxon est en deuxième. Tu veux que je fasse quoi avec un super klaxon en deuxième? Non, mais please. Regardez, je peux faire ça. Ouais, c'est cool. Ok, je vais essayer peut-être de couper. Comme ça. Voilà. Non, mais ça, c'était pas prévu. Merde. Ok, et là, je viens juste de voir que la pancarte a bougé. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas si loin que ça. Je peux clairement le rattraper très facilement. Bah, facilement. Pas autant que ça, mais je peux le rattraper. Hein. Ok, mais il est hyper loin ou... Ok, je viens de le voir. Je le vois, je le vois. Merci les champignons qui m'ont fait complètement remonter la pente. Carapace rouge, tu vas peut-être m'aider un peu. Ah, ok, là, je sais pas c'est quoi qu'il a voulu faire. Je crois qu'il y a peut-être... Oh merde, il y a une carapace rouge. Là, je suis sûr qu'il va vouloir me laisser passer pour pouvoir me lancer sur la gueule. Donc, je vais essayer de prendre une carapace rouge. Il pourrait peut-être m'aider. Merde, j'ai pas réussi à faire le drift. Ok, mais il fait quoi avec une carapace rouge étant premier? Ça c'est ce que je comprends pas des fois dans... Et là, je vais pouvoir lui enlever. C'est une bonne chose. J'essaie de reprendre mon écart. J'aurais dû la garder et attendre, genre, tout de suite avant les cubes ici. Comme ça, il aurait été surpris. Que je garde... Je gère l'item. Je vais essayer de le toucher, peut-être. Ah non, c'est impossible ici, même si je le lance comme ça. Impossible, impossible. Donc c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû utiliser cette technique de lancer la carapace avant les items. Comme ça, il aurait vraiment été surpris. Il n'y aurait pas eu d'item et là, j'aurais pu avoir peut-être un avantage.